Bonsoir à tous. Et oui, ça y est, on est de retour. On est au stade Francis Leblay. Il fait beau pour ce derby breton Brest-Rennes. Si c'est contre Rennes, c'est, et ça vous le savez très bien, qu'on est en Ligue 1. En Ligue 1, eh bien, on reprend les émissions. On va essayer de faire plus que ce que l'on faisait les années passées. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter l'équipe qui va travailler tout au long de la saison avec nous pour vous présenter, c'est ce qu'on espère, les meilleures images du stade brestois en Ligue 1. Et j'ai donc à mes côtés Anthony Berthoud qui présente les émissions avec moi et qui est là pour filmer tous les matchs. Hervé Hugo, 15e, 16e saison ensemble, on ne sait plus, on ne les compte plus. Audrey Barbé qui va nous faire des reportages. Vous vous souvenez les dernières, les reportages avec les femmes de joueurs? Eh bien, il y aura des nouveaux reportages qu'elle va nous faire. Ce sera souvent dans l'émission du jeudi ou sur les matchs à l'extérieur. Et le petit dernier, Thomas Ayas, notre nouveau consultant, qui était joueur l'année dernière et qui remplace Bruno Grougy. Bruno Grougy, qui est maintenant intégré complètement au staff de Olivier Dalloglio. Il est aussi, il est là-haut, mais il travaille déjà. Ludovic Jean, qui est responsable à la fois des panneaux publicitaires et qui sera celui qui, après le match, sera en zone mixte. La zone mixte, vous avez peut-être entendu parler, c'est là où passent les joueurs des deux équipes. Il sera là avec sa caméra pour avoir différentes interviews. Et nous, nous serons sur un nouveau plateau que vous verrez après le match. Il y en a aussi un petit dernier qui va nous inviter, que j'invite plus exactement, à nous rejoindre ici, puisqu'il va faire partie de l'équipe, Pierre-Yves Karadec, voilà, qui renforce l'équipe. Voilà, vous avez toute l'équipe qui est là, et on va essayer de mériter aussi à notre niveau de la Ligue 1. En attendant, ça démarre, et nous avons des invités en avant-match. Voilà. Tu vois, maintenant, on est en Ligue 1, donc on essaye d'être comme les grandes chaînes. Voilà. Toi, tu es en costume. Tous les joueurs sont en costume. Nous, on a un beau comptoir. C'est ça la Ligue 1? Ouais, tiens ton micro. Il fonctionne, ouais. Ouais, c'est ça. On passe un cap, hein, même sur l'extra sportif. Donc voilà, le club monte de niveau et progresse à tous les niveaux. Ça change quoi, la Ligue 1? Est-ce que dans la tête, tu abordes un match de la même manière qu'un match de Ligue 2? Oui, pour nous, ça change pas grand-chose. Honnêtement, c'est la même préparation. Le quotidien, il change pas non plus. Donc voilà, il y a la même pression que pour un match de Ligue 2. C'est un match de foot et nous, notre métier, ça reste le même. Et toi, tu découvres la Ligue 1 comme un certain nombre d'autres joueurs. Oui, mais voilà, ça nous fait pas peur. Hein. On l'a montré sur le début de saison. On est content d'être là, mais pas pour faire de la figuration. Un derby contre Rennes, en plus. Ça enflamme la Bretagne, ça. Ouais, c'est sûr. C'est toujours plaisant de jouer les derbys. Donc... voilà, on est fiers de représenter Brest ce soir. Voilà, eh bien, on va suivre ça. Et place aux autres invités. Voilà, eh bien, on l'avait dit, si vous avez regardé l'avant-match de jeudi, qu'on recevrait Greg Lorenzi. Greg, est-ce que tu es satisfait du recrutement? Tu as pu avoir les joueurs que tu voulais? Y a-t-il des joueurs que tu n'as pas pu avoir? Une satisfaction, je ne sais pas, malheureusement, on ne saura qu'à la fin de saison, parce que voilà, les gens nous jugeront forcément à travers ça, mais en tout cas, une bonne partie quand même satisfait, parce qu'il y avait quand même des joueurs qu'on avait ciblés depuis la saison dernière. On a réussi justement aussi à pouvoir les convaincre de venir à Brest. Donc oui, après c'est aussi une volonté de travailler avec le coach qui a fait qu'on a réussi à attirer d'autres joueurs. Mais comme je dis, la base d'un bon recrutement, c'est aussi, on peut aussi attirer des bons joueurs, mais ce qui serait très important, c'est d'avoir une cohésion, un esprit de groupe qui fera que justement, on arrivera à travers des individualités, sortir un bon collectif. La plupart des joueurs nous ont dit, entre autres, s'ils avaient signé à Brest, bien sûr, ils avaient envie de venir, mais ils ont été sensibles au discours du coach et au projet que tu leur as exposé. C'est quoi dans les grandes lignes le projet ? Le projet, c'est forcément, quand on est sur des jeunes joueurs qui ont du talent, c'est de leur proposer plus de temps de jeu, c'est de leur montrer qu'aussi à Brest, il y a peut-être à l'arrivée, au départ, pardon, peut-être un petit peu moins d'argent, parce que quand vous êtes sollicité par des clubs qui sont plus huppés, on a le 19e budget. Hein. Voilà, donc c'est sûr que c'est bien de le souligner, mais c'est important de leur montrer qu'à Brest, ils sont dans un cœur de projet, ils vont être, on va dire, des maillons forts de cette équipe, donc forcément, c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance, et comme... à travers des joueurs de foot, c'est aussi des hommes, c'est aussi des joueurs qui ont une certaine intelligence, donc ils ont compris que peut-être que pour eux, pour leur carrière, c'était peut-être plus intéressant de venir aussi à Brest. Eh bien, c'est ce qu'on va voir, et puis on va enchaîner l'interview avec une entreprise qui symbolise la Bretagne. Merci Greg. Merci, bon match à vous. Bon match. C'est un derby breton, c'est Brest-Rennes.
on ne pouvait pas mieux choisir que ceux qui parrainent le match de ce soir, avec Marc Kerengiven, eh bien, qui représente Prince de Bretagne. Quand on s'appelle Prince de Bretagne, quand on travaille que sur le territoire breton, obligatoirement, vous vous deviez, Prince de Bretagne, eh bien, de parrainer et d'être les officiels entre guillemets, de ce match. Et tu vas même donner le coup d'envoi. Oui, effectivement. Dès que le calendrier est sorti au mois d'août, là, ou avant, au mois de juillet, le directeur Pascal Robert est venu me voir en me demandant quel match je souhaitais parrainer. Bon, évidemment, il y a de belles affiches, hein. On peut parier Paris ou Marseille, mais évidemment, pour moi, enfin pour nous au moins, producteurs de la SICA et de Prince de Bretagne, l'évidence c'était de parrainer le match Brest-Rennes. Alors, en plus, il se déroule sous un temps magnifique. Ben, voilà. Donc, c'est vraiment l'idéal pour nous. Et c'est Marc Kerengiven qui va donner le coup d'envoi. Espérons que tu vas nous porter chance. Bah, l'année dernière, ça a très bien marché pour Lorient. Voilà. Alors, c'est ah, tout oui, le c'est vrai, que c'est je souhaite aussi. Que Lorient pour les et joueurs. Et voilà, coup d'envoi avec Marc Kerengiven. Ah, s'il y a une interview et un plateau que je suis fier de faire ce soir, c'est avec la légende bretonne. Il a à la fois joué à Brest, joué à Rennes, entraîné le Stade Brestois, le Stade Rennais. Raymond Kérusoré est à mes côtés. Je suis très fier, très heureux, un, de te revoir et deux, de t'avoir pour ce derby, parce que tu es, on va dire, un icône breton. Ben, je crois pouvoir dire en préambule que j'aime le football et la Bretagne m'a donné cette chance d'être une terre de football. Donc mon parcours m'a amené plus à Rennes qu'à Brest, parce que j'étais étudiant et à Brest, il n'y avait pas la branche dans laquelle je souhaitais me lancer. Et je suis revenu à Brest et j'ai beaucoup regretté l'interruption de mon contrat en 87, parce qu'on était appelé à devenir une grande équipe européenne. Pas loin de l'Europe, hein. Il y avait quand même dans cette équipe José Luis Brown qui nous a quittés, hein. Ça nous a marqué parce que c'était un homme extraordinaire avec une humilité alors qu'il était champion du monde, Julio César et puis une équipe fabuleuse. C'est le meilleur classement que Brest a eu en Ligue 1 pendant cette saison-là, Raymond. Exactement, 8e avec une équipe moyenne d'âge 23-24 ans. Il manquait encore une ou deux retouches et on pouvait toucher, comme je l'ai dit, au niveau européen. Mais j'en garde un énorme souvenir parce que j'ai eu la connaissance notamment du groupe Leclerc, de Gilles Fallin à la CIL, et c'était formidable pour moi. Moi, j'ai eu la chance aussi de partager avec toi cette année-là et c'est vrai qu'on ne peut pas, l'oublier. Bon, même si tu étais plus longtemps à Rennes, on n'oublie pas que tu finissais rien pur souche. Tu es né à Châteauneuf-du-Fou quand même. Ah, je suis né à 70 km de Brest. Et j'ai le sang finistérien. Bon, Brestois ou Rennais ce soir, Raymond? Je vais couper la poire en deux, je vais dire match nul. Ben voilà. Et puis alors, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, Loïc Kerbiriou. Si vous suiviez le football, c'est ça, vous ne pouvez pas l'avoir oublié. Tu as joué ici en cadet, tu es allé à l'Est Brestoise après. Des curés étaient passés chez les laïcs, à l'époque c'était important. Voilà. Et puis tu as joué donc aussi au Stade Brestois après à Rennes, Marseille. Tu as une super carrière, Loïc. Ben disons que moi j'avais eu la chance d'être bien conseillé. Quand je suis parti après mon bac à Rennes, on m'a demandé de venir jouer à Rennes en pro. J'ai préféré avoir mon diplôme de prof de PS pour assurer mes arrières. Et à cette période, à cette époque-là, justement, les gens savaient attendre. J'ai attendu 4 ans. Dès que j'ai eu mon diplôme, on m'a fait signer pro. Enfin, j'étais d'accord. Et c'est complètement différent. Aujourd'hui, on n'attendrait pas 4 ans. Ce qui fait que ben, j'ai eu une carrière assez sympa, mais un peu tumultueuse. Eh bien, je me rappelle le Stade Brestois avec le V rouge et le maillot blanc avec Pénuel marqué là-bas. Voilà, et rien que pour ça, parce que moi j'ai commencé le foot ici avec mes grands yeux à regarder les gens. Donc, en plus, Brest c'est le petit, alors je préférais que le petit batte le gros. Et bien voilà, et bien effectivement, vous voyez, c'était deux légendes du football breton. C'est le football breton qui est là ce soir. Je vais rejoindre Hervé Hugo et Thomas Ayas là-haut. On va vous commenter ce match que vous attendez tous. Merci à vous deux. Alors, je suis avec Jérôme Guindet, société Guindet. Vous êtes tous les deux associés, les deux frères. Et ce soir, vous avez choisi d'être juste assis au bord de la pelouse, carrément, en spectateur privilégié pour ce derby breton. Bah oui, tout à fait. Avec Pascal et Régis, on avait fait une réunion dès que le calendrier était sorti. Étant la société étant près de Rennes, c'était logique pour nous de réserver cet événement-là. En plus, on a une belle météo, donc c'est génial. Quoi. Brest ou Rennes ce soir? Brestois ce soir. Voilà, c'est ça, oui. On joue à domicile quand même. Hein. En plus, on sera sur le maillot. Sur la manche du maillot. Et toute la saison? Que pour ce match. Bah, c'est déjà pas mal. Maillot collector. Allez, maillot collector, place au match.
Parce que... L'ancien, la dernière interview que Jackie a réalisée en bord de terrain, présent pour ce coup d'envoi, c'est Marc Kéranguéva avec la SICA, qui est déjà partenaire du centre d'entraînement du Stade Brestois et qui n'est pas venu tout seul, Jackie. Bah oui, c'est la SICA Prince de Bretagne. Prince de Bretagne. Comme il vient de nous l'expliquer, donc il y a 200 producteurs de légumes dans les tribunes, dont certains qui sont de Rennes et de Brest. Donc voilà, après, chacun a le droit d'être pour le club qu'il veut. Donc on a vu également les deux légendes, notamment Raymond Cruzouré, qui a plaisir de le revoir, de vous le montrer. Bon, Raymond Cruzouré qui dit, j'ai demandé Brest ou Rennes, il dit quand même match nul. Voilà. Hein. Et bien. Loïc Kerbiriou, alors qu'il est encore de l'époque d'avant, hein, qui lui est, dit, moi, c'est Brest. Voilà. Allez. Alors, la touche brestoise, eh ben, on est rentré très vite dans le vif du sujet puisqu'on est déjà dans le camp, dans le camp de nos voisins rennais qui ne sont pas venus tout seuls non plus, Jackie, puisqu'accompagnés par 600 supporters. Ah oui, il y a 690 places dans le parquet, ils sont 600. C'est très bien parce qu'ils mettent de l'ambiance et, oui. Et ça sent le derby. Voilà. Magnifique tifo également du côté des ultras tout avant le coup d'envoi avec mentalité brestoise, sauvage et populaire. Voilà des termes que j'aime bien pour la mentalité brestoise. C'est eux, et non, c'était écrit la mentalité brestoise. Nous sommes sauvages et populaires. Voilà. D'accord, excuse-moi, je n'ai pas vu parce que. Oui, tu étais en bas, toi, tu étais au bord de terrain. Alors, Thomas, le dispositif des Brestois ce soir. Ouais, ben, reconduit un 4-4-2. Alors, on voit que Mathias Autrette refait partie du 11. Sachant qu'Anime il n'y était pas, là il est revenu, le coach lui refait confiance. Mais on voit surtout une grosse volonté de l'équipe brestoise de vouloir aller dans le camp adverse. Comme le disait Hervé, grosse volonté, on a commencé par un jeu long dans le camp adverse et maintenant gros pressing, on les empêche de ressortir et on a toujours la balle. Alors un dégagement, une passe un petit peu forte hein, de Belkebla pour Diallo qui a été un peu obligé de reculer. Mais c'est vrai qu'on fait une bonne entame avec tout de suite des velléités offensives pour s'installer en face. C'est quand même un gros morceau. Alors il y a le côté derby et le côté affectif toujours évidemment entre Brest-Rennes, Brest-Guingamp, Brest-Lorient. Mais là, Jackie, une équipe dont on avait tendance un petit peu à se moquer au fil des années. Il y a eu à un moment donné, ça a été Rennes fait toujours l'ascenseur. C'est vrai que pendant plusieurs années... Ça fait longtemps. Oui, mais déjà on commençait à se moquer d'eux. Après, oui. Ça a été Rennes gagne jamais de titre. Ce n'est plus le cas depuis l'an dernier non plus. Ils n'avaient pas gagné depuis 71. Hein, c'est ça. De la coupe avec un certain Raymond Cruzouré qui était avec nous. Justement. Bon, voilà. Et c'est vrai que quand on voit le recrutement sérieux, posé, la formation des jeunes joueurs, depuis quelques années, vraiment, Rennes devient, allez, on va dire, une des 5 meilleures équipes de ce championnat de Ligue 1. Oui, et puis ils l'ont prouvé aussi en Coupe d'Europe, en Europa League, la saison dernière, en réalisant des exploits. Et ils seront jeudi prochain, justement, à Glasgow. Tiens, on voit aussi beaucoup de gilets jaunes en face là-bas. Ah oui, c'est vrai, il y a un nid. Il y a un nid là-bas, ou alors c'est des fans de l'arbitre qui ont voulu s'habiller comme lui. Non, c'est tout simplement les jeunes du centre de formation, Hervé, pour être précis. Voilà. Le gardien, allez Il peut tirer. Ouh. Pop, Mathias, il a saisi l'opportunité. Il a bien fait. Il a très bien fait parce que c'était une erreur de dégagement. Et ça part du dégagement, justement. Enfin, je veux dire, il n'a pas non plus trop le choix, hein, Mendy, parce qu'il est en dehors de la surface. Ouh, ah, il manquait pas grand-chose. Non, mais Mathias sent bien le coup, surtout. Surtout, c'est ça, c'est qu'il anticipe un petit peu une relance difficile du gardien et il est placé au bon endroit. C'est dommage pour la frappe. Il a pris un risque parce qu'il était loin, mais c'était le jeu, en tout cas. C'était juste à côté du poteau. Eh oui. Ça aurait été un but étonnant, on va dire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça aurait fait 7 minutes de jeu. Hein. Ça aurait fait le tour des zappings, là. Et la petite passe bien imprécise qui va directement en touche. Olivier Dalloglio qui, comme tous les joueurs, vous l'avez peut-être vu sur nos plans d'avant-match, est dans le costume du Stade Brestois. Voilà, tous les joueurs dirigeants sont, et nous le sommes aussi, nous le jeudi, sur notre plateau, habillés par les magasins de Vred. Et en même temps, pour nous, pour les soirs de match, eh bien, on a des tenues Kappa magnifiques hein, qui sont offertes par Intersport. Voilà, et Cyril Grenier. Ancien joueur du Stade Brestois qu'on aura l'occasion de vous présenter au match contre Lyon. Lyon, ben c'est dans 10 jours. C'est le mercredi soir.
Entre-temps, on va faire un petit tour à Bordeaux. On reçoit Lyon. Et trois jours après, on va à Monaco. Ça c'est va, quand même va. Pas mal. C'est la Ligue 1, quoi. C'est beau, la Ligue 1. C'est autre chose. Et Cyril Grenier, rien à voir avec Clément Grenier, non? Ah bon? Non, je te demande. Non, non. Non, ben voilà. Non, non. Cyril Grenier. J'en profite, hein, parce qu'il y a Clément Grenier sur le terrain. Oui, oui. Bah, t'as aussi Mendy dans les buts, t'es un Mendy chez nous. Hein. C'est Mendy, je pense que sur certains endroits, c'est un peu comme les Logal. Il y en a quelques-uns, oui. Voilà. Bah tiens, justement, on en parlait de la petite paire Camavinga, là, 16 ans seulement, qui vient d'écarter pour Traoré. Ballon rentré justement, Grenier, on en parlait à l'instant. Mawasa. Le centre dégagé de la tête. Brest qui retrouve sa charnière centrale hein, également. Et c'est vrai que le retour de Denis Bain peut rassurer également. Oui, avec Jesse Castelletto. Mais bon, il y a quand même une recrue aussi hein, qui peut peut-être s'imposer. C'est Jean-Kévin Duverne, hein, le dernier à avoir signé du Mercato, qui à 16h ne savait pas s'il allait à Nantes ou à Brest, 31. C'est sur l'aéroport, c'est ça hein. Oui, qui était à l'aéroport. Il était annoncé à Nantes et puis au final, il a pris l'avion pour Brest. Mais ça se passe souvent comme ça dans le dernier jour du Mercato. Et il est très, très heureux d'être ici à Brest. Il a fait de très bons matchs avec Lens. Bon, il y a une petite brouille après, une histoire de contrat, c'est des choses qui arrivent. Voilà, en tous les cas, il est à Brest. Oui, oui, et puis c'est un bel espoir aussi. Complètement. Un de ces joueurs comme Diallo, justement, comme Perrault, qui vont venir s'aguerrir aux luttes de la Ligue 1 et puis bah, qui probablement s'envoleront à un moment ou à un autre vers d'autres cieux. Mais c'est aussi le marché du foot et puis ça permettrait à Brest d'avoir de l'argent et de racheter des joueurs. Enfin, voilà, c'est rentrer dans ce système-là, Hervé, tu as raison de le souligner, qui est très, très important. Exactement. Et parce que c'est à ce prix-là sans, oui, vraiment, oui, oui, que l'on peut aussi avoir les budgets qui permettent d'être plus aisé en Ligue 1. Et progresser. Et quand on vend pour 33 millions, bah, on peut acheter pour 20. Voilà, c'est tout simplement. C'est mathématique. Oh, attention. Ouf, j'ai peur là. J'ai cru sur le moment. Oui, oui, l'effet visuel était... Nous ici, ouais. On est... tout en haut. C'était Sibachu et c'est vrai qu'on a, on a cru que sa tête était suffisamment croisée pour inquiéter Gauthier. Ce n'était pas le cas. Non, elle est croisée. Hein, donc oui, très croisée ouais. Pour le coup. Bon, en tous les cas, les 10 premières minutes, il se passe des choses là, Thomas. Ouais, c'est plaisant. Un petit peu. Maintenant, moi je trouve quand même que par rapport au match que j'attendais, ça manque un petit peu peut-être... d'intensité. Après, comme on le disait, c'est peut-être l'effet de la trêve internationale où les équipes veulent d'abord se rassurer avant de faire n'importe quoi. Mais sinon, oui, il y a une opportunité de chaque côté. Donc, quand tu as une trêve comme ça, Thomas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton rythme n'est pas tout à fait le même quand tu reprends par rapport à des enchaînements? Eh ben, en fait, ça veut dire que déjà, quand tu es joueur et qu'il y a une trêve comme ça aussi longue, c'est très long. Le temps est très long et tu fais beaucoup d'entraînement et toi, ce qui te tarde, c'est la compétition. C'est la compète. Exactement. Et du coup, tu as les fourmis dans les jambes, mais ça fait un moment que tu t'es pas mis en mode compète. Donc du coup, le temps que ça revienne, faut quelques minutes. Ah ouais. Perrault tout seul là-bas à gauche, voilà, c'est ça. Ça faisait un moment qu'il demandait le ballon. Grand Cyr qui touche beaucoup de ballons hein, en cette première période. Ça passe beaucoup par la gauche. Allez, côté droit maintenant, Charbonnier qui tente le centre, un peu forcé peut-être. Ah oui! Ouh, c'est à côté à nouveau cette reprise, super cette fois de Julien Fossurier. Mais à nouveau, un bon enchaînement côté brestois. On a bien profité de l'avantage numérique aussi parce que si on regarde dans leur surface, Rennes défend un contre un. On était 2-2 dans la surface rennaise et donc c'est bien, on a su jouer le coup et être devant eux pour faire cette frappe. Oh oui, il est très solide sur les appuis aussi, Brun. C'est Diallo. Ouais. Allez, allez. En tout cas, ça panique pas. Oh, bah, ça panique pas du côté rennais. Ça aurait peut-être dû un petit peu paniquer d'ailleurs. Notre pressing à payer. Ouais, par contre, là, tiens, bah, c'est quand tu dis ça que tu fais chipper le ballon. Mais évidemment. Voilà. Hein. Allez, là, il faut pas que tu sois tout seul. Vas-y, faut le suivre. Faut faire le pressing avec lui. Oh, il est parti. Et voilà, il est tout seul. Sauf qu'il a démarré au quart de tour. Hein. Il est parti, Mawasa. Non, c'est pour vous. Non, c'est pour vous. Oui. Mais c'était chaud. Attention sur une percée, on doit pas se faire percer comme ça. On doit être plus vigilant. C'est au départ surtout, non? Allez, Mathias! Allez, c'est bien joué. Ah non! Précipité un peu là, je crois. Un petit peu. Ouais, Lydia Chabot, allez, écoute, c'est pas grave, ça arrive. Un peu de réussite sur le contre, mais c'est bien joué collectivement, il a bien décalé. Ouais, il attend le bon moment en plus, mais
C'est peut-être le retour du joueur derrière lui qui le fait se précipiter aussi, Charbonnier. Il veut jouer vite, il le voit au départ de l'action, à mon avis. Il le voit au départ de l'action et après, quand Mathias lui fait la passe, il veut vite lui donner. Voilà. Allez, Camavinga encore. Et on approche de cette 25e minute. Moi, je trouve que Traoré, sur le côté droit de la défense rennaise, leur fait beaucoup de bien sur les interventions. À chaque fois, il est là sur les appels. Là encore, c'est lui qui vient gêner Samuel Grandsir. Attention, Grenier, parce que... C'est pas Grenier. Je sais pas pourquoi Grenier tente pas la frappe, même je suis surpris parce que... Oui, mais je pensais à l'entrée de la surface, comme ça, notre défense recule beaucoup. Hein. Ouais. Rafinha, c'était bien joué ce qu'il a fait là. Quand on connaît la frappe de balle de Grenier, je suis surpris que là, il arrive pas. Là, juste à ce moment-là, avant la passe. Bon, tant mieux pour nous. Hein. Tant mieux pour nous, exactement. Ils font pas les meilleurs parce choix. Parce qu'il était face au but. Hein. Ouais, et puis lui, il a pas de mal. S'il veut mettre une lunette, il... Ah, il la met. Hein. Allez, Johan court. Ouais, qui a vu là-bas Perrault démarquer. Il va venir... Charbonnier qui a appelé le ballon. Ouais, il faut la récupérer celle-là, c'est bien de la part de Diallo avec Foss. Allez, faut essayer de jouer un peu dans leur camp. Voilà, c'est bien de montrer un peu de maîtrise aussi dans le camp adverse, les faire courir. Surtout qu'ils redescendent bien hein, les Rennais, hein, donc. Ah, ils sont très compacts aussi. C'est pour ça que le match n'est pas très ouvert. Mais moi, je suis plutôt content de ce qu'on voit jusqu'à présent. Par rapport à notre équipe, parce que voilà, par rapport à la situation, le dernier match, la jeunesse de notre effectif, exactement. Moi, je suis content de voir ça. Pour moi, c'est une belle entame. Ah bon, on n'est pas dépassé du tout hein, pour les 25-26 premières minutes. Là, c'est vrai qu'on est. Ah, c'est pas comme Nîmes, messieurs, parce que. Ah non, à Nîmes, c'est une autre histoire. Mais Nîmes, c'est notre baignoire. Ouais, et puis c'est spécial. Il se passe toujours aussi, quelque chose. Là-bas. Oula, petite faute quand même. C'est ce qu'ils cherchaient quand même. Ouais, j'ai l'impression hein, qu'il n'y a pas eu beaucoup pour. Ouais, c'est ce qu'ils ont pensé Grandsir aussi. Puis tu vois ce qui était terrible à Nîmes, c'est que les Nîmois ils ont la même tenue que nous. Ah oui. Donc je vois ma chère maman que je salue. Quand elle a vu le but, elle a appelé sa copine pour dire on a marqué. C'est vrai, c'est exactement pareil. Ah oui. Et même moi je disais avec Cor, je disais tiens mais des fois confondés. Mais non, c'est pas nous qui avions marqué. Puis là on a vraiment pris. On a pris l'eau de toutes parts. Attention à ce coup de pied arrêté parce qu'on sait que c'est très bon frappeur. Qui va le tirer? Je vois que Grenier s'en va. Ouais, donc c'est pas lui. Donc ça va pas être direct. Il y a de la taille en face, c'est bon de la tête. Et heureusement c'est la nôtre de tête qui dégage ce ballon. Denis qui fait bien remonter la défense. C'est bien. Voilà, ça monte, il faut suivre les centraux, bien joué. Et là on fait remonter le bloc. Alors que les ultras donnent de la voix, on vous a laissé un peu profiter aussi de ce moment. Et tout se passe très bien. Et oui. Ce soir, soulignons-le, que ce soit du côté de la tribune des cas chez nous, supporters présents comme d'habitude, mais aussi du côté des Rennais. Oh attention! Oh bah merci d'avoir peu. Je crois que c'est Bourigeaud d'avoir un peu. Ouais, ça, Sibachou, c'est un titan. Bien joué, costaud. Il a pris sur la figure, mais. Et elle est pour nous. Elle est contrée. C'est bien. Si on se sort bien de cet épisode-là. Ouais. On le revoit. Bim. C'est dans la poitrine qu'il a pris. Hein. En tout cas, ça ne va pas faire du bien. C'est ce que j'allais dire. Tu dois sentir passer. Quoi qu'il arrive, ça ne va pas faire du bien. Voilà, David Aloglio. Longue touche de Perrault pour la tête de Charbot. Attention, ça revient dans les Pyrénées. C'est limite quand même. Il tente un bon crochet. Il y a faute, il n'y a rien à dire. Hein. Ah ouais, exact. Mm-hmm. Il surprend. Parce que on reste un petit peu dans cette zone depuis quelques temps là, avec des coups de pied arrêtés. Et j'aime pas trop bien ça. Moi, je me demande s'ils vont tenter une combinaison. Ah, 29e minute. Ah bah oui.
29e, c'est pas attendre la fin du. Et puis là, c'est à 29e, c'est pas la 35e. Hein. C'est 35e à Rennes, ils font ça ou pas? Ben, je, pourquoi pas. Ouais, Charbot. Ouais, Grenier, attention, attention. Toujours un centre. Ouais, c'est corner encore, c'est corner encore. Et oui, ben oui, parce que. Il est temps qu'on se sorte de ce petit moment de possession rennaise là. Parce que les coups de pied arrêtés se succèdent et c'est, je sais pas, c'est jamais très bon. Alors, est-ce qu'ils vont le jouer à deux avec Grenier qui s'est rapproché là de Bourigeaud? Non, Bourigeaud le frappe. Oh, purée, j'ai eu peur. Non, on est vigilant, on est vigilant, on gagne les duels, oui, ça c'est bien. Alors c'est la pause fraîcheur, parce qu'il fait quand même dans les 25 à Brest, à 27 degrés ce soir. On est à Brest. Hein. Oui, bah, je ne sais pas, on peut rêver. Hein. Regardez-moi ce ciel rose. J'aime beaucoup quand on dit ça, quand je regarde la tête à côté de nous de Tobias qui est de Toulouse, il nous regarde des gros yeux, de quoi vous me parlez? Bah, on peut le ciel rose, il est beau. As-tu un coucher de soleil comme ça à Toulouse, surtout à Toulouse, pour le plus Castellane. À Toulouse, c'est les briques qui sont roses. Et pour le plus Castellane que tu es, tu apprécies la rade. Hein. C'est vrai, magnifique. Ah, d'ailleurs, c'était le bagarre de Bruxelles qui était avant le match, je te signale. Là. C'était le bagarre de Bruxelles, justement. Okay. Il est des couleurs chatoyantes. Dis-lui ce que c'est un bagarre. Tu sais ce que c'est un bagarre quand même? Non, moi je suis un bagel, ce que c'est, mais. Tu vois l'orchestre breton. L'orchestre de musiciens bretons, ça s'appelle un bagade. Le tigre du bagal, moi. Oui, du bagade. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça aussi. Bon, on aura pris quelque chose à Thomas ce soir. Mais non, mais oui, mais. On... Et tu pourras d'accord. l'apprendre aussi à Audrey, hein, qui travaille. Audrey, c'est. Audrey, c'est. Audrey, on va savoir. Elle va sur tous les. Ben oui. C'est vrai. Toutes les manifestations pour TBO, filmer des. Voilà, et pour nous également, on est très fiers et très contents. Voilà, donc une minute de jeu supplémentaire du coup, et on est déjà à une 10. Donc Clément Turpin, que voici, va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Voilà, 0-0 cette mi-temps, qui a eu des moments bons, des moments un peu moins bons. Est-ce que le résultat est logique, Thomas? Oui, moi pour moi, on est vigilant, on est concentré. Bien sûr, on a subi quelques occasions, mais dès qu'on était plus nombreux, on a récupéré le ballon vite et on a su les mettre en difficulté aussi. Donc pour moi, c'est un match où on a vraiment notre chance. Voilà, alors le temps que les spectateurs aillent prendre une crêpe qu'ils peuvent payer cette fois-ci, parce que quand vous êtes rentrés, les spectateurs vous ont offert une crêpe. Bon, il n'y a pas de galette saucisse, on n'est pas à Rennes. Allez, pub et on revient. Vous avez fait confiance à qui pour vos prêts immobiliers? Moncoursiercrédit.com, évidemment, à 0€ de frais de courtage. Mon budget est trop serré chaque mois. Comment faire? Mon Coursier Solution regroupe vos prêts ou vous finance un projet perso, auto, immo. Simulation en ligne sur notre site ou avec un conseiller au 02 98 84 40 40. Voilà cette deuxième mi-temps qui va reprendre. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre, Thomas? Ben, j'espère que l'équipe s'est bien reposée, parce que c'est vrai que la deuxième mi-temps, je pense qu'elle va être plus animée. Je pense que sur le premier round, les deux équipes se sont un petit peu, ça ronronnait un petit peu. Je pense que maintenant, on va assister à un match qui va un peu plus se décanter. C'est vrai que depuis le début de la saison, les deuxièmes mi-temps brestoises sont en général plus abouties, plus vivantes peut-être. Et c'est vrai qu'on a... Oh là, attention à la glissade de Perrault. Mais bon, hein, c'est vrai qu'aussi on voit hein, sur un match comme ça, la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Hein, toi-même, tu nous en parlais à la mi-temps, Thomas, quand tu étais joueur, tu as connu la Ligue 2, tu as connu la Ligue 1. Et il y a quand même, on peut dire, presque un fossé entre les deux. Ah, c'est exactement ça, Jackie. Il y a un énorme fossé, c'est pas du tout pareil, ça va plus vite, c'est le petit détail. On croit qu'on fait un bon match, on croit qu'on est bien, et sur un petit détail, une petite erreur, l'adversaire nous... enfonce le clou, nous met un but et c'est fatal. Donc, beaucoup de vigilance. C'est ça, vigilance, solidarité, continuer et surtout croire en nous. Voilà,
sans complexe. Et puis peut-être se dire, on en est encore très loin, mais quand à la 85e, il y a 0-0, se dire que faire match nul face à Rennes, hein, Jackie, c'est pas non plus forcément un mauvais résultat. Alors on vient de voir Sylvain Paul, sur le reconnu, qui était entraîneur à joueur au Stade Rennais, ensuite oui, à Lorient, et entraîneur à Lorient, qui aujourd'hui entraîne l'équipe de France Espoir. Il est bien sûr venu voir Gauthier Larsonard, mais aussi Ibrahima Diallo, qu'il avait sélectionné pour le dernier match de l'équipe de France Espoir, qui a dû décliner parce qu'il avait un heureux événement. Est-ce qu'il est papa alors ? Eh oui. Ça y est, félicitations voilà. Ibrahima alors. Voilà. Petit garçon, donc, petite fille ? Je t'avoue que j'ai oublié. Bon, en tout cas, félicitations au nouveau papa, à la famille, et on espère que tout le monde va bien. Voilà, et en tout cas, c'était une excuse parfaitement. Parfaitement valable, bien évidemment. Et ça s'est fait en bonne intelligence avec le staff des Espoirs. Il n'y a pas de fâcherie. Parce qu'on a connu des jeunes joueurs qui refusaient d'aller en Espoir, mais pour des raisons autres. Mais pas du tout les mêmes. Voilà, pour des raisons autres. Ou qui faisaient des escapades le soir. On ne reviendra pas là-dessus. Allez, bien vu encore Charbonnier. Décidément, sur les coups de pied arrêtés, la taille et la tête de Charbonnier sont vraiment très précieux. Et on parle parfois de ces attaquants qui ne font pas les efforts défensifs. Avec Charbonnier, là, on est tranquille hein, sur ce qu'on a vu. Ah, lui, oui. Avec Kamavinga. Ah, oui, c'est bien. Piqué le ballon par Mathias Otrette. Allez, Mathias Otrette. C'est ça, va au bout. Mathias Otrette. Il peut tirer, là. Oh, dommage. Oh, ah, il n'a pas pu armer. Est-ce que c'était le choix? Ah, il s'est fait. Il a joué la carte d'y aller tout seul. C'est bien, honnêtement, c'est bien joué. Pour moi, il prend le risque, il va au bout, il réfléchit pas, il fait un super crochet, il se remet sur son pied droit. Après, il n'a pas pu appuyer vraiment, quoi. Il fait un gros effort et il arrive en bout de course. Ouais, c'est dur, c'est il dur. Il a manqué un petit peu. Ouais. Hein. Et puis, il écrase un peu. Ouais, et puis, comme dit Thomas, il est aussi en bout de course, hein, pas oublier d'où il est parti. Donc, mais en tous les cas, c'est bien. 35 ans, hein, Jérémy Morel. Oui. Originaire de Quimperlé. Oh, attention! Oula, il y a eu choc, il y a eu choc. Oui, attention. Non, il y a eu choc. Il réclame quoi? Là, il voulait le but, les Rennais. Non, mais ouais, je crois qu'il n'est pas bien, surtout. Côté est touché. Ah ouais, là, il y a eu gros choc. Il réclame les Rennais, là. Bah, le but? Il réclame le but parce qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. C'est les deux joueurs brestois qui se percutent. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de faute. Eux, ils ont continué à jouer. Ou alors, ils sifflent faute de l'attaquant Rennais qui a poussé le défenseur, mais j'en suis pas sûr. Mais il avait arrêté. Pour moi, c'est grosse faute. Du coup, il n'y a pas de hors-jeu parce que les deux joueurs sont là. Bah oui. Il n'y a même pas faute. Juste, ils se percutent. Oui, moi, j'avais. Ouais, voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont continué à jouer, les Rennais. Non, tout à fait. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, il y avait une faute. Hein, comme quoi, on ne voit pas. Tant qu'on n'a pas le ralenti. Moi, je suis inquiet pour Gauthier, là, parce que le choc est violent. Purée. On a mal pour lui, là. Hein. Là, ça a été. Puis c'est là, face au niveau de l'épaule. C'est l'épaule ou le buffet? Non, je crois que c'est l'épaule, j'ai l'impression que c'est l'épaule. Oh là, il écrase en plus. Surtout que JC, c'est du costaud. Dans le côté. Ah oui, JC, c'est pas. C'est un poulet. Voilà, Michel Kergastel. Fossurier était mort de rire derrière, debout. Donc. Tu crois? Oui, non, mais il parlait quelqu'un d'autre et je veux dire. Ça veut peut-être dire que. Voilà. Celui, il fait les parties de pêche avec Gauthier. On va voir. Après, bon, c'est un choc. Si c'est aussi la poitrine, c'est un peu imaginant. Si c'est l'épaule, attention. Ouais, exactement. C'est un guerrier le con que toi. Est-ce que Clément Turpin écoute l'oreillette ou pas là? Oui. Bien sûr, parce qu'il lui parle de la VAR, bien évidemment. Mais nous on s'est arrêté de jouer de toute manière. Hein, mais il va comme consulter. Bah ouais, mais je sais pas s'il a pas sifflé avant la frappe. Non. Alors effectivement, je suis pas sûr. Hein. Clément Turpin écoute la VAR, ça veut dire que c'est la VAR qui l'a appelé. Ça se passe dans ce sens-là. D'accord. C'est pas l'arbitre du terrain qui appelle la VAR, c'est la VAR qui l'arbitre. Donc il appelle. Et il faut connaître une chose. Que m'a expliqué. Il y a but. Il accorde le but. Ah non, c'est. Alors ça. Il accorde le but sans voir la VAR. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne regarde pas la VAR. Je vais vous l'expliquer après. Ça me faisait peur hein, parce que l'équipe a continué à jouer, nous on s'est arrêté alors qu'il n'y a aucun. Il savait pas siffler. Il faut continuer à jouer. Moi je pensais que ça avait sifflé. Parce que les Brestois sont arrêtés. Non, on voit ici. Ils se sont arrêtés tous les deux. Ah oui, ils jouent plus. Hein. C'est les problèmes de. Fos il s'arrête. Eubin il s'arrête. Ah bah oui, et puis il n'a plus qu'à le pousser dedans. Rafinha.
Oui, mais on le sait que le règlement, c'est l'équipe adverse n'est pas obligée de mettre en touche quand il y a un blessé. Elle peut continuer à jouer. Elle peut continuer donc à nous, jouer. Donc nous, il faut avoir la lucidité et la maturité de se dire, s'ils la sortent pas, il faut qu'on reste dans le jeu. On verra après s'ils sont blessés ou pas. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Tu me touches pas, que lui dit attention parce que attention. C'est important. Le VAR appelle l'arbitre de terrain, d'accord ? Il lui dit, bah écoute, je suis pas sûr. Donc soit il décide de consulter. Si l'arbitre du terrain revient sur sa décision, il est mal noté sur le match. Et ça, c'est Monsieur Hamel qui nous l'a expliqué. Et mais les là, arbitres il avait pas sont. Pris de décision, là. Voilà. Non, mais il n'a pas consulté. Et que lui a dit la VAR alors quand il a la VAR a dû lui dire, il y a but. Il y a but. Donc lui, là, il fait confiance. Et lui, à la VAR. Au lieu, voilà, il fait confiance. Mais s'il demande lui-même à voir. C'est là où il va avoir une mauvaise note sur le match, ce qui est totalement aberrant. Et c'est pour ça que les arbitres ne sollicitent la VAR que vraiment s'ils n'ont pas le choix de le faire. D'accord. C'est M. Hamel qui nous l'a expliqué lorsqu'on était en déplacement. Voilà. Par contre, il y a encore 25 bonnes minutes à jouer. Il faut rester dans le match. Il a pris sa décision. Jouons. Et pour eux, je pense que pour les Brestois, il y a faute du défenseur rennais qui pousse Jean-Charles. Mais je crois que c'est ce qu'ils sont en train de dire à l'arbitre. Quoi. Il ne va pas revenir sur sa décision. Voilà, c'est ce que fait comme signe Johan Cour. Il y a Greg Lorenzi qui est en train de dire apparemment de poser une réserve. Non, je crois qu'il était en train de calmer Johan Cour, qui est très énervé, très remonté. Tu penses ? Ouais. Et il lui disait de retourner dans son camp. Et c'est... Là, il faut... Il faut se calmer. Je pense que il reviendra pas à sa décision, Thomas. Parce que, tiens, voilà, il regarde la VAR, enfin, ça y est. Il regarde l'écran. Non, mais attendez. Voilà. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce n'est que s'il est obligé, l'arbitre, de regarder la VAR, qu'il va le faire. Bah, c'est dommage, comme tu disais. C'est dommage, parce que là... Mais ça vient de cette règle où ils sont mal notés. Oui. Mais alors, il va se passer ça sur tous les terrains de foot quand il ne demandera pas la VAR. Les joueurs vont arrêter le jeu. C'est ils vont ça. Dire, on pose une réserve. L'arbitre va être obligé de la regarder. Enfin, comme tu dis, Jackie, le système est vicié. Bah ouais. Monsieur Hamel nous l'a expliqué, il dit si on n'est pas mal noté, bah on va les voir parce qu'on peut se tromper. Voilà. Voilà, la faute de Sibachou. C'est ce qu'eux réclament en tout cas. Je ne dis pas qu'il y a faute, joueurs brestois réclament une poussette. Enfin, c'est pas une poussette, même. C'est la poussée de Castelletto qui l'entraîne sur le gardien. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bien et sûr. Qui fait est-ce que la poussée est si importante que ça ? Pour toi, Thomas ? Pour moi, l'arbitre peut mettre but, malheureusement. Ouais. Pour moi, parce qu'il est très physique. C'est aussi JC qui s'arrête devant lui. Et qui nous s'arrête à côté quand même. Comment ? On s'arrête à côté juste. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais là, il ralentit sa course, JC, pour justement protéger son gardien. Et il est poussé. Il arrête sa course pour protéger le gardien. Et il est poussé. Oh ! Et ben voilà ! Et ben comme quoi, Greg Lorenzi a peut-être eu raison de râler. Et ben voilà. Je sais que c'est peut-être pas. Ah ben quand même. Pas mieux pour nous. Et ben on vient d'assister une première. À un fait. À une première. Et maintenant, c'est les Rennais qui vont râler, à juste raison. Mais voyez, je vous expliquais tout à l'heure cette histoire de l'arbitre qui ne fait pas un pas à la VAR pour parce qu'il aura. Donc, M. Clément Turpin va avoir une mauvaise note sur le match parce qu'il nous a accordé le but. Incroyable ce que nous venons de vivre. On va en entendre parler tout le week-end. Ah bah je pense que c'est nos amis de Canal Football Club, Terminès notamment, qui a un petit côté brestois quand même, faut pas l'oublier. Quand on passe 15 ans de vacances à Port-Smilin, on prend l'air du pays. Bon, je suis très content qu'il ait refusé le but, mais vu qu'il s'y fait pas beaucoup les fautes. Avant, il avait du mal à siffler, il fallait vraiment qu'il y ait une grosse faute pour siffler. Ben là. Alors c'est Olivier Létang du coup qui est au bord du terrain pour venir protester et qui se fait... ouais, c'est Olivier Létang qui était là. Hein. Et on reconnaît aussi Sylvain Armand qui aujourd'hui fait partie qui est directeur sportif. Eh ben dis donc. Voilà, donc voilà Olivier Létang qui était notre directeur général. Ah, on voit Michel Guyot derrière, tiens, l'ancien président. Ah, ici c'est Brest. Incroyable ce que l'on vient de vivre, messieurs dames. Et Adrien Hunou qui va remplacer Sibachou justement. Ouais, parce que... Ouais. Revenons au football. Waouh. Bah on a eu une première ce soir. Ah, alors on va voir si ça fait jurisprudence dans les semaines à venir parce que
Bah maintenant c'est les joueurs. De... Non mais c'est pas l'histoire de jurisprudence, mais puisque. Mais que, non mais que, c'est par rapport à ce que tu dis toi, comme tu dis Jackie, l'arbitre est frileux de pas demander la VAR parce mais que tu l'as dit parce que autrement il va être mal noté. Donc les joueurs vont arrêter de jouer en disant tant que vous regardez pas la VAR, on reprend pas le jeu et l'arbitre du coup va demander la VAR. Ouais. Mais c'est ça, ce qui pourrait se produire, je dis. Pourrait se produire, mais normalement l'arbitre peut sanctionner un joueur en expulsant un joueur parce qu'ils reprennent pas le jeu. C'est ce que j'allais dire. L'arbitre, si vraiment il est sûr de lui, il y a un joueur qui vient protester, il l'expulse et il reprend. Ou alors forfait, ou voilà. Et là, ça rediscute. Et ça rediscute de quoi alors du coup? Je sais pas. Alors peut-être que c'est le capitaine de Rennes qui veut déposer une réserve. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un des membres du dirigeant de Rennes. C'est... Alors par contre, Clément Thuram ne peut plus revenir. Non, c'est tant mieux. Ben non, puisque la règle, il y a une faute, j'ai donné le but, j'ai un doute, la VAR me consulte, je n'ai aucun écran, j'annule ma décision. Ben derrière, c'est la jurisprudence, elle est là quand même. Mon Dieu. Et ben pour une première en Ligue 1 qu'on vit. J'ai une pensée pour mon papa qui est devant sa télé, qui a dû insulter la terre entière. Il ne me dit pas qu'il est pire que toi, ton père. Ben, j'étais tout à l'heure et regardais Paris Saint-Germain et je l'entendais maugrer seul dans le salon après la télé, l'arbitre et les joueurs. Bon. Donc, si, et pourquoi oui, alors bah, parce que il n'était pas d'accord, quoi, donc il râlait. Thomas, quand il se passe un truc comme ça où tout le monde est un peu énervé, reprendre le match, c'est. Waouh. Oui, c'est délicat. C'est délicat. C'est pour ça que c'est ce que je me disais. Là, il faut vraiment se recentrer sur le football. Refaire preuve de solidarité. On voit Harris qui s'échauffe, parce qu'il y a quand même eu un temps d'arrêt assez important. Hein. Ça fait bien 10 minutes qu'on a arrêté de jouer. Et là, ça va repartir de manière très forte. Dans la tête de l'arbitre, qu'est-ce qui se passe? Allez, prends ta chance. Vas-y. Non, si. Oh, le frisson. Le frisson. Belle prise de risque. Une jolie frappe du droit juste au-dessus de la lucarne. Oh, c'est pas loin. Oh, c'est pas loin du tout ce que fait Charbot. Ah, c'est bien. Ça fait le plaisir de le voir tenter de loin. Oui. Alors, t'imagines s'il met un but là, le stade prend feu et s'écroule dans la foulée. Parce que là, laisse tomber. Allez, tout le monde derrière eux, allez, là. Allez. Là, les 15 000 doivent donner de la voix. Attention à la réaction Rennes quand même. Hein. Ouais, bien joué de la part de Romain. C'est bien, Perrault. C'est bien ce qu'il fait, là. Il redonne. Ah, dommage. Le contrôle un peu long de Samuel Grand-Cyr. Pas de changement, hein, toujours côté brestois. Genre, je sais plus à combien de temps de jeu effectif on en est. Ben, 66e minute, je pense qu'on a dû. Il y a pour moi 6-7 minutes d'arrêt de jeu. Ça marche pas cette technique. Ouais, allez, c'est pas très académique, mais ça passe. Non, c'était pas pour Paul Lane, du coup. Voilà, on écarte. Centre long, fort. Ouais, elle est encore poteau. Bonne, second poteau. Oh, oh là là. Encore. C'est pas fini, on y est. Non, compliqué, dommage. Quelle occasion de Charbot. Ah, il s'en veut. C'est dommage. Ah, ça aurait été le crime parfait, hein. Vraiment, là, pour le coup. Et ouais, mais encore, on voit que c'est la fin du match, les ultimes minutes, et on est toujours là, nombreux dans la surface. On est présents, c'est super positif. C'était le casse du siècle si Charbot mettait le but à ce moment-là. Allez, besoin de tout le monde pour ces dernières minutes. On revoit au ralenti cette intervention, cette occasion qui se termine par Mendy, justement. Il reste 1 minute 30, Thomas. Alors que c'est pas complètement fini sur les autres terrains. On est encore, évidemment, dans les arrêts de jeu. Allez, les Rennais, on espère que ça ne va pas leur donner des idées d'avoir vu Brest être aussi dangereux. Les Rennais qui font tourner. Là, je les vois pas marquer.
dis pas ça, dis jamais ça, non, surtout pas, pas à ce moment-là du match. Non. Tu me le diras après si tu veux. Parce que tu sais, en télé, on dit un truc et l'inverse se produit dans les deux minutes en général. Et avec l'expérience, j'ai appris que ce genre d'impression, surtout à une minute de la fin, on garde. Oh, ouais. On est costaud. Allez, moins d'une minute là. Allez, dernière occasion. On prend pas de risque, on est solide, comme alors on a montré tout le match. Bordeaux a battu Metz, un autre candidat au maintien, 2-0. Allez. Faute, voilà. Très bien, c'est bien ça. Jackie vous le disait, Dijon et Nîmes ont fait 0-0. Enfin, on est dans les toutes dernières secondes des arrêts de jeu. Et puis je vous le rappelle, Paris a difficilement battu Strasbourg 1-0, un but dans les arrêts de jeu. Avant d'affronter le Real Madrid la semaine prochaine. Ça y est, le match est officiellement terminé. On est à 6 minutes et je pense que Gauthier va dégager et Monsieur Turpin va siffler. Stéphane replace ses troupes, mais je crois que là, c'est fini. Match nul 0-0 entre le Stade Brestois et le Stade Rennais. On le disait, Thomas, l'un dans l'autre, c'est pas une bonne opération, mais c'est un moindre mal de prendre un point. Oui, il ne faut pas oublier d'où on vient, faut pas oublier que c'est un match très difficile, on est promu face à une très grosse cylindrée dans ce championnat, c'est ça. Qui a beaucoup d'ambition. On a réussi vraiment à faire jeu égal sur une bonne partie du match. Donc non, on n'a pas à rougir, bien au contraire, pour moi c'est un match positif, on se rassure. Et pour les futurs matchs qui arrivent, qui sont très importants aussi, on se met dans le positif. Et bien on va retrouver Jackie évidemment pour l'ensemble des réactions d'après la partie. Merci à tous. Tu es pressé. Sérieux. Et nous, c'est du rapide, donc pas du 10 minutes. Tu restes au téléphone ou pas? Oui, si tu veux. Non, Mathias me dit qu'il est pressé, mais téléphone. Bon, Mathias, tu vois, on est dans des conditions en Ligue 1, on peut quand même travailler, il faut qu'on aille un peu partout, dans le nouveau comptoir. Voilà. Un match nul, compliqué avec tout ce qui s'est passé. Ouais, compliqué avec tout ce qui s'est passé. On est aussi spectateur que le public dans ces moments-là. On comprend pas trop, on attend que ça passe. Et c'est dommage parce qu'on était dans une bonne période. Depuis le début de deuxième mi-temps, oui. Ouais, on avait pris un petit ascendant sur cette équipe. Donc ça nous a un petit peu coupé dans l'élan et c'était un petit peu dur de se remettre dedans. Mais c'est un match solide. Et il y a quand même, quand on voit la Ligue 1 par rapport à la Ligue 2, c'est pas du tout pareil. Hein. Non, c'est pas pareil, évidemment. Il y a plus de niveaux, ça va plus vite. Et c'est plus difficile, mais on n'a pas à pallier. On fait du bon boulot pour l'instant. Parce que Rennes, c'est une véritable équipe de Ligue 1. Ah oui, c'est même une équipe européenne, donc c'est un gros. C'est bien de pouvoir se mesurer à des équipes comme ça et de se jauger, donc c'est intéressant. Donc un bon point. Un bon point. Voilà. Et ben t'es pressé, tu le dis. Moi, je suis pressé. Allez, salut. Merci, Mathias, à la prochaine. Et prochain invité également. Voilà, on retrouve JC Castelletto. Les dernières continuent sur le plateau, ils nous apportent toujours une pizza. Ouais, en tous les cas, je te remercie de penser à nous. Non, pas de souci, toujours là, toi, sur la pizza. Voilà, allez, pour revenir un petit peu plus sérieux, il s'est passé beaucoup de choses sur ce match, dont cette fameuse action qui a entraîné l'arrêt du match, la validation du but d'abord par l'arbitre, puis ensuite, quand il consulte la VAR, c'est toi qui es sur... qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que tu tombes sur Gauthier, mais parce que tu es poussé par le René. Alors, comment tu l'as vécu? Mais en fait, c'est allé très vite parce que je me rappelle avoir un centre sur la gauche. Et moi, je passe devant l'attaquant. Et ensuite, Gauthier, il sort et on se tamponne. Après, plus rien parce que j'étais par terre lui aussi. Et on me dit qu'il y a but. Du coup, j'étais un peu abasourdi parce que tous les deux, on était par terre. Je me suis dit que le jeu allait être arrêté. Puis l'arbitre a la vidéo, il a dit qu'il y avait but. Du coup, moi, je pensais que c'était pas normal parce que déjà, on est à l'arrêt et déjà, l'arbitre doit arrêter le jeu. Oui, et puis Gauthier ne peut plus jouer. Voilà, Gauthier ne peut plus jouer. Toi, tu es poussé. Je poussais, je suis allé. Nous deux, on est par terre. Faussurier me disait que l'arbitre l'avait sifflé avant qu'il y ait but. Et c'est ce qu'on, nous aussi, alors on n'a pas vraiment vu sur le direct, mais c'est des SMS que nous avons reçus. D'accord. Et du coup, après, nous, on a, on
a dit clairement qu'on ne jouait pas, parce que déjà, d'une, comme je disais, dès que nous deux on est par terre et que le jeu s'arrête et que déjà l'arbitre siffle en première intention parce qu'il n'y a pas but, déjà on était un peu abasourdis. Ensuite, le quatrième arbitre nous a dit que, en effet, il m'avait poussé. C'est Florent Bata. C'est ça. C'est bien ce que j'ai dit pendant le direct. Il s'est passé quelque chose avec Florent Bata. C'est ça. Qui était le quatrième arbitre. Et voilà, je vois le quatrième arbitre qui dit à son arbitre central, oui, on voit clairement qu'il le pousse. Et là, l'arbitre prend une. Et là, quand il dit ça, nous, on a pu lâcher. Après, on a dit à l'arbitre, regardez votre quatrième arbitre. Il va voir là-bas. Voilà, il va voir. Mais il regarde 20 secondes. Et en voyant 20 secondes, ça va suffire pour sa décision. Ça y est. Ça a duré 8 minutes, cette affaire. Hein. Oui, au final, si on aurait joué directement, peut-être qu'ils auraient accordé le but. Oui. Voilà. Si on se met à jouer et qu'on joue et que voilà, ça repart, il y a un zéro pour eux. Tout comme disait Mathias juste avant, hein, on était bien en deuxième mi-temps en plus ces minutes qui ont précédé. Bon, en tous les cas, ça reste un match face à une très belle équipe de Ligue 1 et avec un très bon niveau. Mm-hmm. C'est un bon match nul. Oui, c'est un bon match nul. C'est des grosses cylindrées. Rennes, de toute façon, le banc qui arrive, ça va être très difficile. Mais en tout cas, on voit que voilà, quand on vient à la maison, on gagne pas facilement. Donc c'est bien pour la suite, quoi. Voilà. Merci JC. Merci à vous. Et merci encore pour la pizza. Merci, c'est gentil. Voilà, donc je dis à Romain, viens sur notre plateau. Il a cru que c'était un plateau fruit de mer. Mais non, ce sera pour après, ça. On va attendre tranquillement. Sur ce match, c'était un match avec beaucoup d'intensité. Et bien sûr, cet épisode. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'intensité. J'ai trouvé le match assez ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, les deux équipes auraient pu l'emporter. Voilà, ça s'est joué à deux, trois situations, peut-être à mieux gérer de notre côté. Après, mais dans l'ensemble, je pense que c'est un bon match. On n'a pas pris de but, on a fait preuve de solidité. Aujourd'hui, je trouve que c'est un bon point. Surtout quand on se compare par rapport à Nîmes, où justement, c'est ce qui avait manqué, solidité, solidarité. Exactement, on s'est retrouvé dans l'état d'esprit, surtout. J'ai trouvé que on a pris par le bon pied ce match. Donc tout de suite, ça nous a mis dedans. On a fait preuve d'agressivité, on était dans les duels et à partir de là, on a su mettre un peu notre jeu en place. Et puis voilà, il y a eu des bonnes choses, franchement. Je pense que c'est une note positive ce soir. Ouais. L'apprentissage continue, tout simplement. Exactement, l'apprentissage continue. Surtout pour toi. Exactement. Allez, Romain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Voilà, avec Olivier Dalloglio. Alors Olivier, tu viens de passer un peu sur tous les plateaux de télé. On t'a demandé qu'est-ce qui s'est passé ce soir. Moi, j'ai d'abord envie de te poser la question. Mais le match, t'en penses quoi, côté football? Ah, super. Je te remercie de me poser cette question, c'est ce que je préfère. Ce que je pense, c'est que ce soir, je suis fier des joueurs, sincèrement, parce qu'on est tombé sur une très belle équipe de Rennes, on n'en doutait pas, et on a pu résister, on a pu même faire quelques actions intéressantes qui auraient pu mieux se terminer. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais avec un état d'esprit comme ça, respect des consignes, l'engagement qu'on y a mis, on a fait plaisir au public, on a mouillé le maillot, c'est ce que j'avais demandé. Ah, on a parlé football en 30 secondes, ce qui s'est passé ce soir, juste 30 secondes Olivier. Bah écoute, sur ce qui s'est passé ce soir, je vais te le dire comment moi je l'ai vécu. J'ai vécu du banc, se retourner effectivement, j'ai dit mais il y a une faute. Et nous on est resté sur le banc, sur la faute. Quand M. Turpin a signalé le but, et que les joueurs sont venus vers nous, ils nous ont parlé, d'un coup de sifflet qu'ils avaient entendu, et en fait, ils se sont arrêtés. Coup de sifflet avant que le ballon ne rentre dans le but. Avant qu'il rentre. Et M. Turpin a dit, après, donc moi ça, je ne juge pas, j'écoute mes joueurs qui me disent, mais bon, quand je vois la tête des joueurs, il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà, il y a une injustice qui s'est passée. Mais moi, ce que je demande du banc, c'est juste que M. Turpin vienne voir les images pour voir s'il y a faute ou pas. Voilà. Voilà. Bon, on clôt là-dessus. On clôt là-dessus. Et puis, bon, prochain match, c'est Bordeaux. Hein. Eh bien oui. Bordeaux, Lyon, Monaco en 8 jours, là, c'est costaud ça aussi. On a des clients, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut prendre des points. On a pris un point, je pense que c'est un bon point. Voilà. Merci Olivier. Avec plaisir. Il s'est passé beaucoup de choses ici à Brest, mais il faut quand même s'intéresser à quelques autres résultats, dont deux qui nous intéressaient. Bordeaux, chez qui l'on va samedi prochain, où Bordeaux a battu Metz, qui vient aussi de monter de Ligue 2 en Ligue 1, donc 2-0. L'autre résultat qu'on suivait, c'était Dijon. 4 défaites consécutives qui recevaient Nîmes, donc un match qu'ils se devaient de gagner. Eh bien, ils ont fait match nul 0-0, un point en 5 matchs pour les Dijonais, l'ancien club de Olivier Dalloglio. Ça va être compliqué. En ce qui nous concerne, on a quand même 6 points, ce qui est bien. Et on est, pour l'instant, avant les matchs de ce week-end, à la 13e place. Voilà.
une nouvelle rubrique dans cette émission, c'est ce qu'on appelle la zone mixte. En zone mixte, c'est là où passe l'ensemble des joueurs. Ludovic Jean est prêt à interroger plusieurs joueurs, brestois, rennais. Donc ça s'appelle la séquence zone mixte, avant de terminer avec Hervé Hugo, toujours là, et notre nouveau petit dernier consultant, Thomas Ayas. Qu'est-ce que tu as pensé alors de ce fait de jeu? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, sur le terrain? Tu l'as vécu comment? C'est un peu compliqué parce que ça arrête un peu le jeu. Ça nous refroidit, nous, les joueurs, donc c'est un peu embêtant. Après, c'est toujours mieux l'arbitre s'il prend son temps pour prendre la bonne décision, mais c'est vrai que ça embêtant un peu, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est des règles. Finalement, terminer ce derby sur un 0-0, est-ce que c'est satisfaisant pour le Stade Brestois ce soir? Satisfaisant, oui. Après, chez nous, on cherche toujours les 3 points, donc on les a pas eu, mais bon, c'était un bon match contre une très bonne équipe. Donc c'est un bon nul, on va dire. Moi, je suis très déçu de ce qui s'est passé. Ils consultent la VAR, le VAR quand ils veulent. En première mi-temps, il y a peut-être un litige avec Rafinha dans la surface et il ne va pas voir. Moi, il y a beaucoup de choses depuis un certain temps qui nous dérangent. Nice, il siffle avant, il n'y a pas faute, on peut gagner 2-0 et au bout du compte, le but est annulé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes et en plus de ça, ils ne donnent pas d'explication. Donc, c'est très difficile à accepter, très difficile à avaler. Après, c'est un point à l'extérieur et la semaine dernière, on n'est pas arrivé à le garder et cette fois-ci, oui. Donc voilà, on continue un petit peu d'avancer. Il y a des choses qui sont positives et il y a beaucoup de choses à régler aussi pour pouvoir enchaîner des bons résultats. Bah, je ne sais pas ce qui s'est passé au premier arrêt de jeu. Moi, j'étais uniquement concentré pour remobiliser les joueurs parce qu'après un épisode comme ça qui a duré très 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 longtemps, il peut y avoir un peu de frustration, il peut y en avoir certains un petit peu qui s'échappent du match parce qu'ils sont énervés. Voilà. Donc moi, j'étais uniquement centré sur la possibilité pour chacun d'entre eux de rester dans le match, de rester dans le jeu, et rester encore du temps, de se reconcentrer, pas perdre d'énergie inutile sur des choses qu'on peut malheureusement pas maîtriser mais qui ont eu des conséquences importantes sur le résultat. Eh bien, pour une première, c'était une première. Madoué, comment dirait à la campagne, on en a vécu des choses, hein. Alors avec à la fois le scénario du match et puis cette chose incroyable dont certainement toutes les télés françaises vont parler parce que effectivement, comme on l'a vu avec Olivier Dalloglio, eh bien il y a un scénario ici où un arbitre a refait son, il est revenu sur sa décision. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ce match, cet épisode, en tous les cas sur le jeu pratiqué par les Brestois ce soir avec notre nouveau consultant Thomas Ayas. Il a été bon aussi, je peux vous dire. Vous avez dû le juger d'ailleurs. Ouais, Jackie, c'est vrai que c'était un match, je trouve, assez ouvert. C'est vrai que ça aurait pu pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a eu des petites occasions, même si en première mi-temps, ça ronronnait un petit peu. Mais c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, on a été servi avec ce fait de jeu qui a été incroyable. Donc, en tout cas, voilà, un 0-0 assez logique et qui fait du bien, qui rassure par rapport au dernier match à Nîmes. Donc, c'est positif pour la suite qui s'annonce costaud aussi. Hervé, ça fait une quinzaine d'années qu'on commande les matchs, on n'avait jamais vu ça. Non, c'est bien parce que voilà, on peut se dire qu'on a un petit peu l'habitude de ce genre de rendez-vous, même les derbies. C'est vrai que là, c'était très très particulier, on n'avait jamais vu ça, même dans le foot, depuis la naissance de la VAR, avec une espèce de pression. J'entendais Charbonnier tout à l'heure qui disait à Sylvain Armand, de toute façon, on ne serait pas revenu sur le terrain si l'arbitre ne regardait pas la VAR. C'est ça, en fait, le fait du match. Hein. C'est assez incroyable et je pense, comme tu le disais, Jackie, que bon, va falloir voir comment les instances arbitrales, les instances du foot réagissent à ce fait de jeu. Mais ce match Brest-Rennes restera quoi qu'il arrive dans les annales. Oui, et puis je le dis pendant le direct, quand un arbitre demande la VAR, il revient sur sa décision après avoir consulté la VAR, il est mal noté. C'est M. Mel qui nous a expliqué ça il y a 15 jours, 3 semaines, c'est un peu aberrant. Donc ça n'incite pas les arbitres à demander la VAR puisqu'ils auront une mauvaise note s'ils reviennent sur leur décision. Ce qu'on peut simplement constater, c'est qu'en 20 secondes que Clément Turpin a regardé, il a dit tout de suite, il n'y a pas but. Voilà. Bon, c'est un épisode, vous l'avez vécu avec nous. Pour nous, c'était une première ici ce soir en Ligue 1. Notre studio, il va ici, il va aller là. On voyage un petit peu parce qu'on a nos amis de Canal et Bein qui doivent aussi faire leurs interviews. L'espace n'est pas très grand, Francis Leblay. L'important, c'est que ce qu'on fait, ça vous plaise. On a renforcé l'équipe cette année. On a toujours Anthony Berthaud qui arrive encore à tenir la caméra derrière, il n'y a pas de souci. Et puis notre petit jeune, Pierre-Yves Cabaret, qui était là et qui fait des caméras isolées pendant le match. D'ailleurs, on recevra Denise Bain jeudi pour l'émission Tous au Stade. Et on sera avec Anthony Berthoud à Bordeaux samedi. Il y a Bordeaux samedi, mercredi d'après à Lyon. Et ensuite, on va à Monaco. Quel programme? Bonsoir.